Já, við hérna höfum þekkst lengi við Katrín og þessi hugmynd kviknaði í janúar 2020 yfir hádegismat hjá okkur. Þá höfum við svona rætt þetta öðru hverju og talaði um að hún þyrfti nú að fara að skrifa bók og kannski eftir að skrifa sama bók og aldrei neitt varð neitt úr því. En þarna svona lagði ég þetta til og var með þessa hugmynd sem var að stelpa sem að hverfa úr Viðey 1956 og sagan myndi síðan gerast 1986. Og Katrín var sagði í rauninni strax já þarna og ég held að hluta til hafa verið kannski bara þessi saga með Viðey og stelpur nú líka þessi þetta tímabil 1986. Já. J'essaie de me souvenir de tout ce qu'il a dit. Donc Catherine et moi avons été sommes amis depuis longtemps. Cette idée, elle est née, en tout cas, on en a parlé pour la première fois, lors d'un déjeuner en janvier 2020. Ça faisait quelque temps déjà qu'on parlait un petit peu sur le ton de la plaisanterie d'écrire un livre ensemble, parce que j'avais toujours senti que Catherine avait un peu ses rêves d'écriture. Et puis ce fameux déjeuner, je suis venu, ça va ? Ce fameux déjeuner, je lui ai présenté cette idée de disparition sur l'île de Viðey, d'une jeune fille qui disparaîtrait en 1956, mais dont l'essentiel de l'intrigue de l'enquête se déroulerait 30 ans plus tard, en 1986. Et elle a... cette idée lui a plu, peut-être parce qu'il y avait ce décor de Viðey qui était particulier, et elle a dit oui. Alors, je vous retrouve après cet événement qui était, mais tellement bien. Je suis trop contente. Ragnar Jonasson, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai d'ailleurs un t-shirt que j'ai fait avec mes quatre autres auteurs préférés. Dessus, il y a Agatha Christie, Joël Dicker, Virginie Grimaldi et Ragnar Jonasson. C'est un t-shirt que j'ai déjà montré à Virginie Grimaldi deux fois. Je l'ai montré à Ragnar Jonasson deux fois. Il ne manquera plus que Joël Dicker. Donc voilà, trop contente. Eh bien, Ragnar Jonasson, je l'ai vu trois fois en tout. La première fois que je l'ai rencontré, c'était au Quai du Polar à Lyon il y a un an et demi. Donc, je l'ai rencontré dans le cadre d'un événement privé organisé par La Martinière. Je crois que c'était pour la sortie de 10 âmes pas plus à l'époque. Voilà, c'était très intéressant. Il y avait une conférence organisée. Enfin, l'animatrice de la conférence était son éditrice française. Une traductrice était présente, ce qui était très très bien. Ragnar Jonasson parle forcément très bien islandais puisque c'est un auteur islandais. Il parle également très bien anglais, beaucoup mieux que nous. Et à côté de ça, eh bien, il comprend totalement le français. Et c'était le cas justement dans l'événement que j'ai vécu là, dont je vous parle. Il comprenait les questions en français et il pouvait presque directement y répondre sans avoir besoin d'un traducteur. Donc voilà. Donc c'était très intéressant. J'étais très impressionnée, première fois que je le voyais, etc. Et puis, je l'ai vu une seconde fois. Enfin, je vous dis tout ça, mais je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, hein, puisque ma chaîne a un petit paquet d'années maintenant, et c'est des événements que vous avez vus. Et en fait, si vous me suivez depuis un moment, vous avez même vu le moment où j'ai commencé à être fan de l'auteur, parce que tous les livres que j'ai lus de lui, eh bien, je vous les ai partagés. Enfin, j'ai partagé mon avis, soit dans des reconfis vlogs à l'époque, soit, enfin voilà, soit pendant des podcasts lecture. Donc, la deuxième fois que je l'ai vu, si vous vous en souvenez, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de mars. C'était une journée assez remplie ce mois de mars. On fêtait l'anniversaire de ma dernière le matin. L'après-midi, il y avait une dédicace dans un Cultura pas très loin de chez moi avec des auteurs assez connus, Henri Leuvenbruck, Alexis Leipsker, Bernard Minier, Bernard Werber, donc trop bien. Et quand j'attendais pour ces dédicaces, j'étais dans la file d'attente, je reçois un message de La Martinière disant « Ragnar Jonasson est exceptionnellement en France cet après-midi dans un voyage privé ».
On sait que vous êtes fan de Ragnar Jonasson. Si ça vous intéresse, rendez-vous à la librairie Le Divan. Trop bien. Donc, ils communiquent comme ça sur leur compte Instagram et tout, en story. Mais vraiment au dernier moment, du style, ils ont envoyé un message et l'auteur arrivait 3-4 heures après dans la librairie, quoi. Bon. Du coup, je regarde. Tiens, la librairie du Divan, elle était pas très loin de chez moi. Je crois que c'est la première fois. Oui, c'est ça, c'est la première fois que j'y allais. Depuis, je connais bien les libraires. Et oui, enfin, c'est dans Paris, mais d'un côté très accessible pour moi. Donc voilà, en plus, un samedi, ça roulait pas trop mal. J'y suis allée. Bon, il y avait... Ils étaient au courant que Ragnar allait arriver dans leur librairie, mais ils n'avaient pas toutes les infos ni quoi que ce soit. Et donc, j'ai un peu attendu. Et effectivement, Ragnar est arrivé avec des personnes de La Martinière et notamment son éditrice française. Et dans les lecteurs qui avaient pu se libérer, eh bien, il n'y en avait pas beaucoup puisque j'étais là, seule. Donc, j'avais passé un petit moment à la librairie Le Divan avec Ragnar, avec son éditrice française et tous les échanges qu'ils pouvaient avoir sur des livres, des sorties et notamment des choses sur ce livre-là qui sort là, qui vient de sortir. Et donc, excellent, quoi. Excellent, excellent. Donc, j'ai vraiment un énorme souvenir de ce moment-là. Encore plus, comme il n'était pas au Quai du Polar à Lyon cette année, bah voilà, j'étais ravie d'avoir pu avoir ce moment, puis tellement privilégié. Enfin, c'était un truc de fou. Et puis, on arrive à cette troisième rencontre dont je vais vous parler, qui était organisée par La Martinière, Bipolar et la librairie Le Comptoir des Mots, que je ne connaissais pas du tout, alors qui pour le coup est beaucoup moins bien placée pour moi dans Paris que la librairie Le Divan, mais elle a l'avantage, cette librairie, le comptoir des mots, d'être très grande. Elle est à côté du cimetière du Père Lachaise. Elle est très grande. Elle est grande, mais surtout elle permet de faire des rencontres avec beaucoup de monde. On était très très nombreux. Et c'est vrai que la librairie Le Divan, les rencontres que j'ai pu faire, y compris avec Franck Tillier, c'était... Il n'y avait pas la possibilité d'avoir autant de monde, mais en même temps, il n'y a jamais eu un monde énorme, même pour des grands auteurs comme Franck Tillier, Virginie Grimaldi. Enfin, c'était organisé un peu autrement. Bref. Donc voilà, donc excellent. Et puis, j'avais reçu un message de La Martinière me disant, bah, on peut se rencontrer avant pour un petit moment privé dans un café. Donc on était 5 influenceurs, booktubeurs, bookstagrammeurs, ce que vous voulez. Et puis Ragnar était là avec l'équipe de La Martinière et son traducteur était là. Et quand je dis son traducteur, c'est le monsieur qui a traduit les livres en français, qui s'appelle Jean-Christophe Salahan. Et voilà. Et donc l'idée, c'était que au lieu de parler anglais, moi je parle pas très bien anglais, mais bon, j'arrive à le comprendre, donc globalement, mais des fois il y a des subtilités que je ne comprends pas, et ces subtilités sont toujours très intéressantes, donc c'est dommage. Mais bon, au lieu de parler en anglais, l'idée c'était que nous parlions français, et le traducteur était là pour traduire en islandais, Ragnar répondait en islandais, et le traducteur nous traduisait les réponses de Ragnar. Et pour avoir le plaisir de l'entendre parler islandais, pour que ça ajoute aussi cette petite touche nordique. Donc c'était génial. Enfin, il était assis juste à côté de moi. Ragnar était entre son traducteur et moi-même. Et dingue, dingue, dingue. Voilà. Enfin, c'était trop bien. C'était trop bien. En fait, j'envoie des auteurs. Enfin, alors j'ai la chance d'être invitée à des événements privés, mais je vais aussi à des rencontres ouvertes à tous. Par exemple, les rencontres à la librairie Le Divan, là, celle dont je parle avec Virginie Grimaldi et Franck Tillier, c'était des rencontres qui étaient totalement ouvertes à n'importe qui. Enfin, bon, mais il faut habiter pas loin de Paris, il faut des nignes. Mais bon, je veux dire, j'ai pas été privilégiée, invitée ou je ne sais quoi. Je me suis juste renseignée sur la librairie et j'y suis allée, quoi. Et puis bah, je fais pas mal de salons et c'est pareil, les salons c'est pas un événement privé, c'est le contraire d'un événement privé. Et donc des auteurs, bah, j'en vois en fait, j'en vois, j'en revois, j'en re-revois.
Et là, on arrive à la troisième fois où je vois Ragnar Jonasson. Et ben, j'étais encore hyper impressionnée. Vraiment, en même temps, je dis ça, mais la dernière fois que j'ai vu Virginie Grimaldi... Non, c'était pas la dernière fois. L'avant-dernière fois où j'ai vu Virginie Grimaldi, on était déguisés en années 90, on avait chanté, dansé, et j'étais encore hyper émue, en fait. Donc, il y a peut-être des auteurs comme ça où j'arriverai jamais à... Je sais pas. Bernard Minier, maintenant, ça va. Franck Tillier, j'ai peut-être encore... Oh non, quoi que ça... J'ai quand même osé lui poser quelques questions. Mais là, bon, j'ai quand même pu parler hein, à Ragnar Jonasson et tout ça, mais il me reste, oui, ce côté... Enfin, je sais pas quoi, c'est l'un de mes auteurs préférés. Puis c'est un auteur qui est en plus fan d'Agatha Christie. Et c'est aussi pour ça que je l'apprécie. Non pas parce qu'il aime Agatha Christie, mais c'est qu'il aime tellement Agatha Christie que ça se ressent dans ses livres. Et donc, forcément, bah, c'est hyper... Enfin, c'est aussi pour ça que j'aime ses livres, en fait. Ce sont ses ambiances... voilà. Alors après ce moment privilégié dans un café, nous sommes allés à la librairie qui était juste à côté, qui était déjà archi pleine. C'était assez impressionnant. Bon, alors il y avait plus de place, on s'est mis au fond et tout, mais bon, écoutez, c'était le prix à payer pour avoir vécu ce moment avec lui juste avant. Enfin, c'était, je ne m'en remets pas. Donc voilà, moment dans la librairie avec des questions hyper intéressantes. Alors j'ai pris des notes sur les réponses qu'il a pu donner sur son dernier livre, je vous en parlerai après. Et puis vous avez pu voir au début aussi un petit passage, un passage un peu long, mais ça vous permet d'entendre Ragnar Jonasson en islandais. Et puis d'entendre la réponse en français si, comme moi, vous ne parlez pas couramment l'islandais. Je pense que ça peut être pratique, cette traduction. Et puis, bah voilà, échange hyper intéressant, etc. Il y avait la possibilité de poser des questions. Et puis, j'ai souhaité poser une question, mais il y en avait beaucoup. Et donc, j'ai pas pu en poser. Et puis, bon, bah à la fin, voilà, encore une fois, j'ai eu la chance de vivre un moment privilégié avec lui. Donc je suis pas allée plus loin que ça. Et puis on est resté un petit peu à discuter dans la librairie avec les autres personnes qui étaient présentes. Je connaissais notamment eh bien Estelle de Petite Lectrice, forcément. Et puis Fox & Neat, comme vous le savez, on partage un amour pour Agatha Christie et on organise eh bien le Red Christie 2023 ensemble. Alors quelque part le Red Christie 2023 français, mais entre guillemets, parce qu'on est plusieurs à proposer des lectures communes autour de titres d'Agatha Christie qui entrent dans ce challenge là. Mais là c'est vrai qu'avec avec Fox & Neat on fait ça depuis un moment et c'est la première année qu'on le fait ensemble. Et enfin quand on reçoit notre courrier au mois de décembre avec le challenge qui va commencer, qu'on a tout en exclusivité, ben on a eu besoin d'échanger, d'en parler et on a construit ça ensemble, parce que c'était très chouette. Et voilà, donc super de les retrouver là-bas, de parler et compagnie. Puis petit à petit, cette longue file d'attente pour avoir une dédicace de Ragnar Jonasson, eh bien, se réduisait petit à petit. Alors moi, j'avais eu la chance d'avoir une dédicace de Ragnar avant, lors du moment privilégié, ainsi qu'une photo avec lui. Mais comme je voyais que ça se réduisait et que j'avais toujours ma question quand même, eh bien, j'y suis allée. Et j'étais la dernière. Et comme j'étais la dernière, je me suis dit, bah, très bien, je vais pouvoir parler de son livre. Parce que en fait, tout ça, c'est autour de la sortie de ce livre-là, Reykjavik, qu'il a coécrit avec Katrín Jakobsdóttir, qui est la première ministre islandaise. Et j'ai eu la chance de le recevoir avant, je l'ai lu, je l'ai dévoré en moins de 24 heures. Et donc il est très 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 bien, ça coup de cœur, faut le lire. Et du coup, bah, j'avais des choses par rapport à ce livre, enfin des choses, des remarques, la construction elle est trop bien, il y a un sacré... retournement de situation, le dénouement il est trop bien, et comme il n'y avait plus personne,
Bah, en fait, j'ai pu lui dire. Et comme la personne qui traduisait, bah, c'était le traducteur du livre, je veux dire, je ne spoilais personne. L'auteur était au courant de ce qu'il avait écrit, le traducteur était au courant de ce qu'il avait traduit, et moi, j'étais au courant de ce que j'avais lu. Donc, voilà, toutes les conditions étaient réunies pour bien spoiler le livre et pour dire, ah, pis là. En fait, la question que j'avais, c'est que ce livre commence extrêmement bien. Bon, il commence très bien maintenant parce qu'il est dédicacé. Avec un petit mot en français, en plus. Hop, je sais pas si le focus va fonctionner. Donc voilà. Mais, au-delà de ça, il commence avec un petit mot. Nous dédions ce roman à Agatha Christie, à qui nous devons notre amour des romans policiers. Trop bien, hein? Trop, trop bien. Et en fait, alors je l'ai adoré, comme je vous le dis, c'est un coup de cœur. Mais... enfin, c'est pas mais, c'est et, ou parce que il a un côté roman policier, il a un côté Agatha Christie. Bon, de toute façon, c'est un livre que vous allez retrouver dans mon podcast lecture, etc., avec mon avis plus détaillé. Mais en fait, j'ai lu énormément de polars nordiques cet été, vous le savez, je suis tombée dans cette marmite de polars nordiques. Et il y avait un auteur, enfin il y avait deux auteurs absents que j'adore, mais que je n'ai pas lu dans le cadre de ce challenge, c'est Camilla Läckberg et Ragnar Jonasson. Camilla Läckberg parce que j'étais trop fan de sa série avec Erika Falk, mais je suis à jour. Ragnar Jonasson, c'est parce que j'étais à jour dans tout ce qu'il avait pu écrire. Et là, donc, j'en ai lu plein, j'ai adoré des polars danois, j'ai adoré des polars norvégiens, enfin, je suis tellement fan de John Lear Horst, et puis la série de Jussi Adler-Olsen, et puis les autrices entre, eh bien, autrice islandaise, Eva Björga Eggisdottir, entre autrice, j'allais dire canadienne, n'importe quoi, autrice suédoise, Camilla Grebe, enfin, voilà, et puis Anne Mette Hancock, enfin, il y a eu tellement de découvertes et tout ça, enfin, et d'excellents auteurs, avec des points communs aussi, des ambiances, mais quand même de l'action, et puis de la noirceur, et puis des fois des scènes crues, etc. Et le truc, c'est que oui, j'adore les polars nordiques. Ce que je vous décris, c'est un peu la série Erika Falk de Camilla Läckberg. Mais ce ne sont pas les polars de Ragnar Jonasson. Pas tous, en tout cas. Et ce ne sont pas mes préférés de Ragnar Jonasson. Donc, une fois que je suis passée dans cette grande période de polars nordiques, où je me suis éclatée avec toutes ces caractéristiques, je ne savais pas ce que ça allait donner de relire un Ragnar Jonasson, de relire un de ses polars nordiques qui sont différents. Et voilà, c'est un auteur que j'adore et j'avais peur d'être un petit peu déçue. J'avais peur de me dire « Ah ouais, c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé, mais c'était avant que je découvre machin, machin, machin. » Et donc, j'ai lu ce livre et en fait, non, je l'ai adoré parce que il est atypique en fait. Alors le livre est coécrit hein, avec la première ministre islandaise, mais on sent la patte de Ragnar Jonasson. Il y a quelqu'un de chez La Martinière qui me disait on sent la patte de la première ministre islandaise sur la façon dont sont formulés les dialogues, etc. Et donc ce qu'elle a pu apporter quelque part à l'écriture de Ragnar Jonasson. J'ai pas réussi moi à aller jusque là. En revanche, j'ai bien vu ce qui venait de Ragnar Jonasson. Et j'étais contente. J'ai pas du tout été déçue, bien au contraire. C'est un livre que j'attendais énormément. Parce que, je vous dis, j'ai assisté aux échanges entre son éditrice française et lui. Alors que l'éditrice française recevait le livre chapitre par chapitre. Et j'y ai beaucoup pensé quand je l'ai lu. Parce que je me suis dit, mais un livre comme ça, recevoir chapitre par chapitre, c'est horrible. C'est horrible. Mon fils est en train de lire Harry Potter à l'école. Il lise un chapitre par semaine. Mais je pense que ce serait aussi dur. Voilà, c'est le truc où t'es bien dans l'histoire. Tu as envie de lire la suite et clac, t'es coupé. Alors bon, là, c'était pour des raisons particulières. Je crois qu'elle devait lire la version en anglais ou un truc comme ça. C'est en cours de traduction. Enfin bon, bref. C'est pour d'autres raisons.
Mais en tout cas, c'est pas possible, faut le lire d'une traite ce livre-là. Un petit peu plus long que ce qu'il a pu écrire jusqu'à présent, mais voilà, on retourne sur des romans policiers classiques, on sent l'influence Agatha Christie sans que ce soit du plagiat, hein. Quand je dis ça, c'est pas négatif. Non, sinon je dirais copier. Ils ont copié Agatha Christie. Non, là c'est influencé, mais ça reste quelque chose de moderne, même si l'intrigue se passe principalement en 1986, ça reste quelque chose de moderne et tout en ayant ce côté eh bien très classique du roman policier et avec un huis clos, etc., avec un dénouement, mais trop bien. Trop, trop bien. Et donc, j'ai pu parler de tout ça, justement, avec lui, sur le dénouement, en disant, mais vous savez, en fait, si c'était machin, bah, j'aurais été déçue. Et puis, si c'était machin, bah, j'aurais été déçue. Et puis, voilà. Et j'ai pas été déçue. Alors, bon, j'ai encore des choses à vous dire. Bon, donc oui, j'avais très hâte, si je reviens juste sur ça, j'avais très hâte que ce livre sorte, parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Et puis, je suis Ragnar Jonasson sur Instagram. Il me suit aussi depuis quelques mois. J'en suis très contente. Et donc j'ai suivi cette grosse communication lorsque le livre est sorti en Islande, vous vous rendez compte, une première ministre islandaise avec un auteur de polar bien connu dans le pays, c'est dingue, c'est vraiment dingue. Donc voilà, j'ai vu toute cette communication, etc. Alors, dommage, la première ministre islandaise était là la même semaine en France, mais ils se sont vus qu'un après-midi, et après, elle a dû rentrer, elle avait d'autres obligations. Dommage, j'aurais vraiment bien aimé eh bien assister à une conférence avec les deux. Mais c'est pas grave, il y avait déjà Ragnar Jonasson, c'est extrêmement bien. Et donc voilà, et ce livre sort dans plein de pays, il est déjà sorti en Angleterre et aux États-Unis avant de sortir en France, donc ça donnait encore plus hâte. Et puis bah, le jour de la sortie en France, il sortait aussi dans d'autres pays, mais Ragnar Jonasson adore la France et il est venu dans notre pays pour cette sortie. Voilà. Alors, juste pour revenir rapidement sur Ragnar Jonasson, que j'adore, etc., et les livres qu'il a pu écrire, très vite. Et puis après, je vous parle de ce que j'ai noté sur la conférence d'hier. C'était hyper intéressant. En plus, ça faisait des liens avec des conférences que j'avais eues par ailleurs, enfin, avec d'autres auteurs. C'est trop, trop chouette. Donc, moi, j'ai découvert Ragnar Jonasson, mais si vous me suivez depuis 2-3 ans, vous le savez, je l'ai découvert avec ça. Ça, c'est la série des enquêtes de Siglaug Fjørður qui est chez Point, pour ma part. Et les couvertures, elles sont très très belles parce qu'elles sont irisées. Vous voyez, rien que de voir, je me replonge à ce moment-là. Moi, j'ai découvert Ragnar Jonasson avec cette série-là. Siglaug Fjørður, c'est un village au nord du pays qui est confiné météorologiquement. C'est-à-dire qu'il y a tellement des grosses chutes de neige que fréquemment, le village est confiné. Et j'ai découvert cette série lors du deuxième confinement. Alors en plus j'étais toute seule à être confinée à la maison, c'était pas le cas du reste de la famille. Mais ce confinement qu'on avait eu sur la fin de l'année 2020, bah, du coup ça fait 3 ans que je l'ai découvert. Et donc ça faisait écho parce que moi j'étais confinée et il faisait froid dehors, etc. Mais j'étais confinée à cause du Covid. Et puis eh bien eux étaient confinés, mais bah comme tous les hivers quoi. Extrêmement bien et vraiment roman policier classique, et on sentait vraiment l'influence Agatha Christie dans cette série là donc je l'ai découvert comme ça. Il a également écrit la trilogie de la Dame de Reykjavik. Hop, donc allez, fais le focus dans cet ordre: la Dame de Reykjavik, le tome 2 L'île au secret, et le tome 3, La dernière tempête. Que ce soit cette trilogie ou la série précédente, lisez-les dans l'ordre. L'ordre ici est extrêmement puissant. La fin du 1, c'est une fin dont vous vous souviendrez pendant des années et des années. Voilà, là, c'est pas le meilleur pour moi. Mais alors cette fin, elle scotche. Et là, vous allez avoir quelque chose de très original, en fait. C'est une trilogie très originale. Faut les lire dans cet ordre-là. C'est pas l'ordre chronologique, mais ça apporte énormément.
Il joue avec nous. Là aussi, c'est bien de les lire dans l'ordre parce qu'on suit Harry Sore et on suit en fait sa vie privée aussi. Alors, il y a une petite remarque qui a été faite hier. C'est dommage parce que la première question qui a été posée à Ragnar, eh bien en fait, c'était pas une question pour Ragnar, c'était pour dire, ben vous avez sorti les tomes dans le désordre en fait en France. Donc, l'éditrice française a expliqué qu'ils ont sorti d'abord le tome 1. En même temps, la réponse peut peut-être vous intéresser. Ils ont d'abord sorti le tome 1 et ensuite, ils ont suivi la sortie anglaise parce que, enfin, la décision de l'Angleterre, enfin, j'imagine que c'était la version anglaise pour l'Angleterre, la décision qui a été prise, c'est de sortir un tome qui montre extrêmement bien l'ambiance islandaise, les paysages islandais, etc. Et en fait, c'était pas le tome 2 de la série, c'était le tome 5. Alors là, je vous dis ça sans note, j'espère ne pas me tromper. Donc, a priori, ce qui est sorti, et la France a suivi ce que l'Angleterre a fait, au final, à tort, mais bon. Donc, alors, est-ce qu'ils sont dans l'ordre, là? Enfin, je sais pas. Non, je vous le dis pas. Je ne dis rien parce que je suis pas sûre qu'ils soient dans l'ordre. Bon, l'ordre, en tout cas, qu'il faut respecter, c'est l'ordre d'écriture. Et ça se retrouve sur Wikipédia, tout simplement. Voilà, sur Internet, vous aurez toutes les informations que vous voulez. Sinon, vous pouvez aller aussi sur Instagram, sur mon compte, dans la partie guide. Et bien là, je mets l'ordre de plein de séries différentes. Et ça peut-être vous intéresser. Et donc Ragnar Jonasson, en plus de ces deux séries excellentes, c'est dommage que Harry Sore continue pas parce que la porte n'est pas fermée, mais en tout cas c'est pas ce qu'on va suivre tout de suite, on ne va pas le retrouver prochainement. Eh bien il y a deux one-shots, 10 âmes pas plus et À qui la faute, voilà, qui sont très bons, pas mes préférés, mais c'est du Ragnar Jonasson, mais c'est très bien. Et donc on a ce one-shot Reykjavik, mais qui est même coécrit. Voilà, donc trop bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, parce que je vous parle d'Agatha Christie, etc. Mais alors, vous le savez peut-être, puis je l'ai déjà dit 150 000 fois, mais en fait, Ragnar Jonasson a traduit des Agatha Christie en islandais. Donc, fan absolu, et il a fait ça avant de lui-même écrire. Voilà, donc ça, c'est tout, toutes les choses que je voulais vous dire autour de ces livres, autour de mon amour pour cet auteur, et puis voilà, le fait que je sois encore impressionnée quand je le vois, et tout, et tout. Et là, je vais passer aux notes que j'ai pu prendre et que je vais vous communiquer. Alors, si on revient sur Reykjavik, donc c'est un livre qui a une construction particulière. En fait, on va parler d'une cold case qui s'est produite 30 ans auparavant, sachant qu'on est en 1986. Et donc, on a eh bien, quelque chose qui s'est passé en 1956. Et puis, on revient 10 ans après, puis 10 ans après, avant de s'arrêter en 1986, alors qu'un journaliste veut reprendre l'enquête. 1986, cette année a été choisie parce que c'est une année charnière pour Reykjavik. Pour plein de choses. Déjà, c'est une année où ils ont pu fêter un anniversaire important de la ville, le bicentenaire. Et c'est lors de cette année qu'il y a une rencontre entre le président américain et le président russe sur le sol islandais, donc en pleine guerre froide, en pleine guerre froide, bon. On n'était pas au début de la guerre froide non plus, mais voilà, c'était quand même quelque chose d'hyper important et d'hyper marquant. Donc voilà, encore une fois, une importance pour Reykjavik. Et il y a eu beaucoup de changements, et c'est des choses hyper intéressantes. Enfin, des changements au niveau radio, au niveau télé, au niveau centre commercial. Il y a eu la première fois qu'il y a eu un grand centre commercial. Et ce qu'il expliquait, il l'a juste dit comme ça, mais c'est assez dingue, je trouve, c'est qu'avant, il n'y avait pas de télé en Islande les jeudis, et puis au mois de juillet. Voilà. Et là, bah, on assiste à, je crois que c'est la seconde station de radio, la deuxième chaîne. Voilà, des changements assez importants. Et donc, ça les a intéressés de partir sur cette année-là. Alors, ils ont tous les deux à peu près le même âge. J'ai regardé la première ministre islandaise est née en 76. Ragnar Jonasson, je ne sais plus. Je ne sais plus. Tiens, il n'y a pas de petit descriptif de lui. C'est dommage. C'est dommage. Et en même temps, c'est pas...
Il n'est pas tout seul à avoir écrit. Non, mais je ne crois pas. Et donc, bon, ils ont quelques souvenirs, mais ils ont quand même été amenés à faire des recherches. Chacun de leur côté, ils ont consulté des journaux et tout, notamment, pardon, pour consulter eh bien, la météo précise de certains jours et des choses au niveau culturel. Quelles sont les musiques qui s'écoutaient voilà, donc pour que ça permette encore plus d'être vrai. Voilà, pour coller encore plus à la réalité de cette période-là. C'est donc une cold case. La question a été posée à Ragnar Jonasson. Pourquoi ça fascine autant ? En fait, comme ça, une cold case, pourquoi? Et du coup, ce qu'il expliquait, c'est que pour lui, quand il y a comme ça une cold case, l'imaginaire ne s'arrête pas. En fait, l'imaginaire prend le dessus sur ce qui a pu se passer. C'était assez intéressant parce que il disait que bah plus le temps passe et plus chaque personne va émettre des hypothèses quelque part sur une enquête comme ça non résolue. Donc ça c'est pas que ça fascine parce que le mot serait mal choisi, mais en tout cas ça intéresse et ça titille la curiosité quelque part parce que voilà, enfin ce sont des choses inexpliquées qu'on va essayer quand même malgré tout d'expliquer. Et ce qu'il indiquait, c'est qu'il y a une affaire qui s'est passée en Islande dans les années 70 et qui n'a jamais été résolue. Voilà. Autre question hyper intéressante sur les duos d'auteurs. Duo entre un auteur de polar et une personnalité politique, premier ministre, président. Il a pris plusieurs exemples, notamment James Patterson avec Bill Clinton, qui ont fait tous les deux un excellent livre. Donc, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps quand je vous avais donné mon avis sur un livre de James Patterson. Et donc, pourquoi, en fait? Pourquoi des duos comme ça avec des personnes puissantes? Et il disait que c'est possible que les grandes responsabilités de cette personne puissante, du co-auteur des duos qui avaient été cités, eh bien, ces grandes responsabilités derrière ont besoin d'être mises en pause parfois. Et là, l'écriture comme ça peut être un bon échappatoire. Et ce qu'il expliquait aussi, bon, ce qui est assez logique, ce qu'il racontait sur son point de vue, son avis, c'est qu'en plus, eh bien, ça permet de faire une bonne pause dans le quotidien, de prendre un peu de recul et d'être meilleur par la suite. Voilà. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut appliquer à chacun de nous de temps en temps. Il faut savoir un petit peu couper pour pas faire un burn-out, pour pas qu'il y en ait trop ni quoi que ce soit, et pour être plus performant. Et ça peut être compliqué, hein. Couper, arrêter pour être plus performant. Enfin, bon, selon le fonctionnement de certains, c'est pas forcément logique. Mais bon, voilà. Donc, on a été amené à l'entendre parler de tout ça. Et puis là, ce qu'il expliquait sur la première ministre islandaise, c'est que elle a quand même été diplômée de littérature. Fan d'Agatha Christie, comme on peut le voir avec la petite citation au début du livre, et elle a fait un mémoire sur Arnaldur Indridason. Je trouvais ça assez rigolo. Et donc, par la suite, il est venu à parler des romans policiers en Islande, et ça a fait totalement écho à une rencontre que j'ai eue avec justement Arnaldur Indridason dans un petit café parisien, c'est un soir d'hiver, et où il parlait justement de la place du roman policier en Islande et plein de choses autour de ça, enfin le fait que lui, bah, c'était le premier, et quand il est arrivé, on lui a pas fait de cadeau, et que par la suite, il a créé un boulevard pour tous les autres auteurs de romans policiers qui sont arrivés et qui peuvent se permettre d'aller vers sur des terrains où lui, on l'a jamais autorisé à y aller. C'est-à-dire que ce que Arnaldur Indridason expliquait il y a plusieurs mois, c'est que en Islande, il n'y a pas de meurtre. Alors il y en a, mais quasiment pas. Donc, un roman policier en Islande, et enfin ce que je vous dis, c'est ce qu'Arnaldur Indridason disait, mais Ragnar disait aussi la même chose. C'était pas crédible du coup de faire des romans policiers parce que
un meurtre comme ça, ça parlait pas trop aux gens et du coup les Islandais étaient pas friands de ça. En revanche, ce qu'Arnaldur Indridason expliquait il y a quelques mois, c'est qu'il n'y a pas de meurtre, par contre il y a des disparitions. Du style, un touriste qui arrive, qui se dit « Oh, je vais me balader et tout, je vais faire telle ville et de telle ville à pied » et puis paf, la météo disait bien pourtant qu'il allait y avoir de grosses chutes de neige. Comme par hasard, il n'y a plus de traces de cet individu, il disparaît, on se doute que c'est lié aux conditions météorologiques, mais il n'y a pas d'explication. Donc Arnaldur Indridason disait qu'en revanche, il pouvait utiliser cette technique-là pour faire des romans policiers et pour dire qu'en fait, on croit à une disparition, mais ce n'était pas une disparition. Et voilà, donc assez intéressant. Et puis ce côté, bon, Arnaldur Indridason disait bien qu'il était le premier et que, comme je disais, on ne lui a pas fait de cadeau et que ceux qui arrivent derrière, on est un peu plus sympathique avec eux. Voilà. Maintenant, la version de Ragnar. Non, mais qui sont, c'est des versions qui sont vraiment très très proches. Et ça fait totalement écho. Donc, il expliquait effectivement que il y avait très peu de romans policiers en Islande, notamment dans les années 1986, et que les gens n'étaient pas attirés par ce genre, justement parce que ça leur paraissait vraiment peu probable. Et puis, il y a eu Arnaldur Indridason, qui a écrit plusieurs livres avec son héros Erlandur, je ne sais plus le nom de famille. Et c'est à partir de La Cité des Jars, qui est un roman policier que j'ai lu cet été, c'est à partir de ce moment-là où il a trouvé le succès, en Islande et au-delà. Voilà. Et là, ce que Ragnar disait, c'est qu'il y a eu des gros changements à partir de ce moment-là, et le roman policier en Islande a pu être accepté. Il y a même un salon de romans policiers en Islande. Il y a 10 à 15 romans policiers qui sortent chaque année. Voilà, c'est pas beaucoup, mais écoutez, si dans ces 10-15, il y a un Arnaldur Indridason, un Ragnar Jonasson, un Eva Björg Aegis de Tyr, c'est déjà très bien. Et Ragnar Jonasson, eh bien, il est traduit et présent dans plusieurs pays, une trentaine de pays, et c'est en France que ses livres sont le plus lus. C'est chouette, hein. Il trouve qu'il y a une relation entre les Français et le livre qui est très particulière. Et il prenait l'exemple de la soirée que j'ai vécue, qui était un jeudi soir, après le travail, une rencontre à 20h dans une librairie. Et il dit, il n'y a qu'en France qu'on peut réunir des gens comme ça, un jeudi soir, en pleine semaine, pour parler d'un livre. Donc voilà, il disait qu'il ne voyait pas beaucoup de pays où, dans lesquels les gens pouvaient justement se déplacer à un tel événement. Voilà, et je finis par le meilleur étant son prochain livre dont le titre pour l'instant en islandais est La Mort Blanche, et en fait il a pris un jeune policier qu'on voit dans La Dame de Reykjavik, et on le voit juste, hein, puis ça n'a pas forcément de lien, enfin, on n'est pas obligé d'avoir lu La Dame de Reykjavik avant de lire son prochain livre. Bon, moi, je vous conseillerais, parce que c'est bien de lire tous les livres de Ragnar Jonasson, mais bon, il n'y a pas de lien énorme. Mais donc, il a pris un policier comme ça, qui voulait creuser, en fait, et donc, derrière, eh bien, il va travailler avec ce personnage, ça va être son enquêteur, et en plus, ce personnage est un grand fan de littérature policière, notamment d'Agatha Christie, et apparemment, ce personnage a des goûts littéraires vraiment communs avec Ragnar Jonasson. Ce sera une trilogie. Et Hulda, qui est donc le personnage principal de cette trilogie, sera présente sous forme un petit peu de souvenir, même si, comme je vous dis, on ne sera pas obligé de lire la trilogie de La Dame de Reykjavik avant cette prochaine trilogie, mais je suis sûre que ça apportera, parce que ce genre de construction, c'est toujours très puissant. Ça me fait penser à La Femme au manteau violet, Le souffle des rêves de Clarisse Sabar, où on ne peut pas dire que ce sont deux suites, mais les deux livres sont liés par des personnages comme ça, et de lire l'un après l'autre, ça ajoute une dimension supplémentaire, tout comme lire cette trilogie dans cet ordre-là, même si c'est pas l'ordre chronologique. C'est pas l'ordre chronologique de l'histoire, mais c'est bien l'ordre d'écriture, hein. Ça c'est important pour moi de respecter l'ordre d'écriture. Mais ça apporte quelque chose, en fait, une dimension supplémentaire. Bah, j'imagine que ce sera pareil. Donc, si vous voulez vous préparer pour le prochain livre de Ragnar Jonasson, vous pouvez déjà lire cette trilogie.
Même si, on ne sait pas quand est-ce que ce sera traduit en France ni quoi que ce soit, puisque c'est le prochain livre que, enfin, il n'est pas sorti déjà en Islande. Voilà. Eh ben, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà beaucoup beaucoup parlé sur Ragnar Jonasson. Donc, événement trop bien. Je suis très très touchée d'avoir été invitée, d'avoir assisté à ça. Je mesure la chance que j'ai parce que, enfin voilà, c'est un auteur islandais. Alors, je l'ai quand même déjà vu 3 fois. C'est exceptionnel. J'ai vu. Et puis voilà. Enfin, comme je vous dis, il est abonné à mon compte Instagram. Il me reconnaît. Enfin, c'est hyper. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Mais je reste impressionnée, je reste impressionnée. C'est un grand auteur, c'est vraiment un grand auteur. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de très bonnes lectures. Je ne peux que vous conseiller de lire Reykjavik. Allez-y, allez-y, c'est un one shot. Et sinon, vous pouvez découvrir tous les autres livres de Ragnar Jonasson chez La Martinière en grand format ou chez Point en poche. Et on se retrouve très vite. À bientôt.